on a fait grâce à l'OFAGE en fait que le groupe de Marseille est venu à Berlin. Et nous maintenant on arrive ici pour faire les pièces. Donc, et le principe c'était pourquoi cet échange ? Pour pouvoir aider les jeunes à se rendre compte que dans les deux pays il y a des processus de création parallèles. Et là on se retrouve avec deux pièces qui ont une couleur, qui ont quelque chose qui se rencontre en fait. En fait il y a vraiment un lien qui est en train de se créer entre individus mais aussi entre disciplines artistiques et qui, moi personnellement je pense, permet vraiment un éveil et un enrichissement personnel. Il y a cet échange là qui est d'abord donc une rencontre d'une personne où bon mais voilà on comprend pas ce qu'il dit. Mais là, par la danse, on arrive à communiquer justement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte que, ben voilà, on danse ensemble et ça passe, il y a quelque chose de commun, mais là, on se retrouve là en face de l'autre après dans le café et comment on fait ? Comment on fait ? Mais du coup, je trouve que ça les pousse à faire cet effort plus directement. Ils ont déjà communiqué dans une autre sphère, une sphère corporelle. Et là, il y a la sphère du langage qui vient là et du coup, ils ont envie. Ils se positionnent, ça c'est important, quoi. Ils se positionnent et ils prennent du recul par rapport à tout ce qu'ils sont en train de vivre. Et cette notion de prendre du recul dans ce projet-là, elle est à plein d'endroits, en fait. Dans ce qu'on interroge artistiquement, mais aussi dans ce qu'ils vivent, dans la rencontre, dans les langues, dans l'utilisation des langues ou de la difficulté d'eux. An dem Austausch nehme ich teil, weil mich das Tanzen allgemein sehr interessiert. Ich habe jetzt die Möglichkeit gefunden, in einer Jugendkompanie zu tanzen, die mir die Möglichkeit gibt, in die Welt zu reisen, meine Erfahrung auszuschöpfen, noch mehr Leute kennenzulernen, mich auch in Sprachen noch ein bisschen zu vertiefen. Ich bin viel mehr interessiert jetzt an der französischen Sprache, das auf jeden Fall. La danse, c'est ma passion déjà. Et quand j'ai entendu un projet de la danse, et puis avec des étrangers aussi, ça a été vraiment... C'est magnifique de rencontrer des gens qui sont loin, qu'on ne peut pas voir tous les jours. Moi, je ne pouvais pas, quoi. Je me disais non, je ne pourrais jamais apprendre l'allemand. Et puis, entendant pendant une semaine parler, et puis là, ça me donne envie, ouais. Dadurch, dass ich hier viele Franzosen treffe, ist es schon so, dass ich mehr die Lust bekomme, Französisch zu lernen. Aber auch vielleicht, ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, auch hier zu arbeiten. Deswegen denke ich, es wäre eigentlich gut, Französisch zu können. Früher habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht und jetzt ist das schon so, wow, eine schöne Sprache und warum nicht? J'aime bien quand ils parlent et tout, ils ont, je sais pas, ils sont charismatiques et tout. C'est, je sais pas si j'aime bien. Quand je les vois danser eux, c'est comme si je mûrissais en fait. Et du coup, c'est comme si je pompais ce que eux font sur scène, en fait, dans mon corps. L'OFAGE nous aide financièrement, mais pas seulement financièrement. J'ai senti qu'ils étaient dans leur travail avec du cœur, avec de l'amour. Et du coup, pour moi, c'est une chance de pouvoir continuer un petit peu cette énergie-là, cette énergie qui, pour moi, est nécessaire, mais qui vient d'eux et que nous, on peut transmettre aux jeunes. Et c'est là qu'il faut chercher. Et aller semer des bonnes graines. Et je pense que ça fait partie des institutions qui sèment les bonnes graines. Et je suis très heureux qu'ils puissent nous suivre pour ce projet.